Bonjour et bienvenue cette vidéo. Aujourd'hui, dans l'apprentissage de Sculptris, nous allons voir le sous numéro 9 qui portera sur le copier-coller. Vous pouvez voir un personnage qui apparaît où j'ai rajouté des boucles d'oreilles. Mais imaginons que je veux mettre ces boucles d'oreilles au niveau du nez. Pour cela, nous allons devoir apprendre en plus les outils Rotation et Scale, c'est-à-dire Rotate et Scale. Donc sans plus attendre, regardons cela dans Sculptris. Nous voici donc dans Sculptris. Rappelez-vous le fait de faire CTRL-D va permettre de sélectionner tous vos éléments. Donc vous pouvez cliquer voyez, avec le bouton gauche de votre souris sur l'élément en question. Et si je fais CTRL A, je désectionne tout le monde. Parfait. Donc là je fais CTRL D et je vais faire en sorte voyez, de récupérer ici les boucles d'oreilles que j'ai mises sur, sur les oreilles de ma bestiole. Alors ce qui va m'intéresser si vous voulez c'est de faire un copier-coller de cet élément. Alors on pourrait faire par exemple, donc là je fais CTRL A, on pourrait faire en sorte de cliquer ici sur New Sphere et ajouter un objet. Et recréer cet objet comme j'ai fait ici. Mais pourquoi faire cela Puisqu'on peut s'amuser à faire un copier-coller. Donc il suffit de faire CTRL D, vous cliquez sur les boucles d'oreilles en question, vous faites pomme-c, pomme V ou CTRL-C, CTRL-V sur Windows, et là vous avez vos éléments. Et vous voyez, au lieu d'avoir deux sphères, on a maintenant deux boucles d'oreilles. Parfait. J'appuie sur G afin de les déplacer. Donc je vais mettre ici. Et c'est là que je vous disais que l'outil rotation va rentrer en jeu, parce qu'on va pouvoir, par exemple, ici, faire en sorte d'appuyer sur scale, scale pour t. Donc il y a deux options, celui-ci. Hein. On verra ça plus en détail, mais je voulais au moins vous montrer ça. Donc si je fais ça, vous voyez, je vais pouvoir réduire la globalité de mon objet. Si par contre, celui-ci n'est pas en global, vous allez réduire une portion de votre objet. Donc regardez, ici, je vais faire en sorte... Voilà, de diminuer. Alors là, ce ne sera pas très flagrant parce qu'on ne voit pas grand chose, mais ça peut être très pratique dans d'autres dans cas. Le deuxième outil, ça va être rotate. Celui-ci a la même fonction. Il aura, on pourra faire une rotation au niveau d'une portion par rapport à votre objet ou votre objet lui-même. Donc là, moi je travaille très souvent en global. Et vous voyez ce qui va m'intéresser, c'est de faire une rotation ici. Donc j'appuie sur R une fois. Et regardez, on a une rotation. Et selon l'inclinaison de votre vue, vous allez pouvoir faire l'inclinaison. Donc regardez par exemple, si je me mets comme ça, je veux faire une rotation. Je fais ça, et vous voyez, on peut faire une rotation. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer, on va déplacer, pardon, mes boucles d'oreilles, et on va les mettre au bon endroit. Donc là, j'appuie sur Z afin de me remettre correctement en face. G, et je vais placer mes boucles d'oreilles. Bah, vous voyez, elles ne sont pas trop mal là. Elle dépasse un peu, mais c'est pas mal. Voilà, on vient de créer donc des boucles d'oreilles pour notre personnage. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est imaginons que je voudrais faire des dents. Donc on a déjà les dents qui ont été créées. Rappelez-vous, si j'appuie ici, celles-ci sont sélectionnées. Chose aussi très intéressante, lorsque vous cliquez sur les dents, vous allez pouvoir faire en sorte de cacher un élément ou de l'afficher. Donc là, on va prendre G pour faire en sorte d'enlever ses dents. Vous voyez, maintenant notre personnage est édenté. Et on va lui créer des nouvelles dents. Donc je fais CTRL A, on va faire en sorte de faire New Sphere, Add Object. Parfait. J'ai deux nouvelles sphères qui sont créées, donc on va G pour les bouger, T pour scaler ou les resizer. Hein. Voilà. Et on va les placer là où ça nous intéresse. Donc on va les mettre à peu près ici. Regardons un petit peu ce qu'il en est. On va les mettre à peu près là. Voilà. Et puis on va un petit peu les modeler pour que ça soit plus sympathique. Donc j'ai cette fois-ci, là vous voyez, on va bouger un peu la matière. Donc on va peut-être étirer comme ça. Ça va être des grosses molaires. Hein. Encore une fois, comme je disais, moi je ne suis pas bon dans le dessin. Euh, mais ce qui compte, c'est de vous, vous montrer comment fonctionnent les outils. Après, libre à vous, libre à vous de vous amuser à dessiner. Euh, de toute façon, vous pouvez être bon au dessin si vous prenez votre temps. Et vous verrez, on arrive à faire des superbes choses avec cet outil qui s'appelle Sculptris. Petit aparté, alors pas maintenant, mais dès que j'aurai fini les courses sur Sculptris, je vous ferai des courses sur ZBrushcore. Vous verrez, c'est un superbe outil. Alors celui-ci par contre est payant. Mais vous verrez, on peut faire des très très belles choses avec. Voilà, alors disons, disons qu'on avait fait ça, alors on va prendre maintenant l'outil R pour faire une rotation. Donc deux fois, afin que global, soit activé. Vous voyez, je vais faire quelque chose comme ça, après G, je vais le faire rentrer. Voilà. Imaginons vous voulez faire maintenant un duplicate des dents. Alors, vous pouvez faire exactement ce que je viens de faire ici avec euh, New Sphere, nouvel objet, ajouter l'objet, et ainsi de suite. Mais on n'aura pas l'identique, c'est certain. Là, pareil, vous faites CTRL-C, CTRL-V, ou POMME-C, POMME-V. Vous sélectionnez l'endroit où vous voulez qu'il soit. Et automatiquement, vous aurez vos nouvelles dents. Donc G, elles sont là, je vais les placer. Voilà, je vais faire en sorte de le faire rentrer un peu. Et vous voyez, on pourra grâce à ça rapidement faire des dents, soit l'identique, soit avoir la même forme et pouvoir la ressaiser après si vous voulez, bien évidemment, qu'elle soit plus petite et ainsi de suite, mais avoir quelque chose de très intéressant. Donc là, je fais CTRL-A pour tout désélectionner. Et vous voyez, maintenant, on a un personnage avec des dents qui commence à être assez sympathique, dois-je dire. Voilà, bah écoutez, je n'en dirai pas plus sur cette vidéo. Il me semblait important de vous expliquer le copier-coller, vous voyez, on a fait des choses intéressantes. Bien évidemment, pour la prochaine vidéo, on verra l'outil Rotate et Scale plus en détail, afin de voir ce qu'on peut faire précisément avec. Imaginons, vous voulez, bon alors là, on ferait, lui, il faudrait l'enlever le, de son cadre ou simplement le supprimer, alors je ne vais pas le faire pour l'instant, mais imaginons, vous voulez avoir une image de ce que vous avez là. C'est toujours bien de sculpter. Vous, avez donc, vous pouvez sauvegarder le fichier euh, qui sera l'extension SC1, mais moi, je voudrais une image. Bah, que cela ne tienne, regardez. On va mmh. cliquer ici sur Options. Là, vous pouvez sauvegarder. Rappelez-vous, je vous ai expliqué comment mettre un background, mais vous pouvez ici sauver l'image. Attention, je vous conseille de décocher Save with Background et Save with AA. Ça vous permettra, fait compte, d'avoir une image en mode de PNG, c'est-à-dire qu'elle aura l'extension PNG, donc aucun problème au niveau de la transparence. Vous faites ici juste Save Image. Allez, on va le faire ensemble. On va se mettre dans Download. On va l'appeler par exemple perso ou personnage, tout simplement. Vous faites juste Save. Donc là, il vous dit OK, c'est fait. Et si je regarde maintenant au niveau de mon Finder, voilà, vous voyez, je viens d'ouvrir le fichier. Et enfin, quand on a bien un fond blanc, c'est-à-dire que là, vous pouvez le prendre, et vous aurez bien une image PNG, et vous pourrez le glisser là où vous voulez. Donc c'est très intéressant déjà pour pouvoir imbriquer vos sculptures ou vos œuvres. Dans, sur un site internet ou tout simplement dans un portfolio ou je ne sais quoi d'autre. Voilà, il me semblait important de vous expliquer ça. Voilà, bah écoutez, je n'en dirai pas plus sur cette vidéo. Comme d'habitude, vous pouvez récupérer mes fichiers zippés sur le site savoirpourtous.eu, module graphisme au niveau de Sculptrice. Vous cliquez sur l'onglet vidéo et vous retrouverez les informations. Là, je vous mets une photo pour vous montrer, mais pour l'instant, je n'ai pas encore mis le dernier fichier. Ça vous permettra de récupérer tout simplement le personnage que je viens de créer, si vous voulez jouer avec. C'était donc la chaîne Ça va pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Comme je vous disais tout à l'heure, la prochaine vidéo, on fera en sorte de regarder qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait comme outil. En l'occurrence, on verra, ce sera peut-être une vidéo assez rapide, on verra l'outil Scale et Rotate afin de voir précisément ce qu'on peut faire avec et comment on peut utiliser ces outils par rapport à notre personnage. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye